Sorti de terrain du chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel-major Rabuyinga Kabore s'est rendu au chevet des troupes et groupements des forces antiterroristes et s'est impliqué dans l'opération Panga. Le chef d'état-major de l'armée de terre a ainsi visité les localités de Baraboulé, Djigel et Nassoubou. Reportage Adama Guiti, Oumar Zombré. Du Mali. C'est après un briefing sur l'opération Panga que le CEMAT, le chef d'état-major de l'armée de terre, Rabuyinga Kabore, entreprend une tournée pour ragaillarder le moral des troupes et prendre connaissance des difficultés qu'elles traversent. Le cap est mis sur Baraboulé. Dans cette commune déjà victime des attaques terroristes, un détachement militaire va bientôt voir le jour. Les travaux avaient même débuté, mais ce site est trop exposé car trop fréquenté par les populations. Pour la hiérarchie militaire, pas question de badiner avec la sécurité des hommes. D'ailleurs, un autre site a été choisi à cet effet, mais en attendant son installation effective, les troupes de la compagnie Lyon veillent au grain et patrouillent nuit et jour dans la commune. Le commissariat de Baraboulé est la première destination de la hiérarchie militaire. Les murs portent encore les stigmates de la dernière attaque et les motos calcinées témoignent de la furie de l'assaut. Mais malgré cette vue, les policiers sont là et veillent toujours à la protection de la population avec toujours plus de détermination. Après le commissariat, le CEMAT se rend à la mairie, une autre cible des terroristes. Là, ce sont des moments de retrouvailles et de réconfort. Oui, tu vas bien? Ça va, je dois. Content de te voir. On a toujours besoin aussi de votre soutien, votre collaboration pour que notre travail aussi se passe bien sur le terrain. Je vois aussi que ça commence à venir comme même le dit. Il faut qu'on s'encourage pour que ça puisse très bien se passer. D'accord. Donc, okay, vraiment, bon séjour et bonne traversée. De Baraboulé, nous remontons vers Djigel à la rencontre de la compagnie Lyon, une compagnie dirigée par le jeune capitaine Ange-Patrick Tapsoba. Le capitaine fait son rapport. Lorsque nous avons fait notre mission de reconnaissance au niveau du village de Kim, nous avons pu appréhender certains suspects. Plus d'une vingtaine de personnes dans les mailles du filet, mais aussi des difficultés liées à la qualité de l'eau de forage, ainsi que d'autres d'ordre matériel et logistique. Après Djigel, cap sur le dernier site qui est le camp de base de la compagnie Tigre, le camp du détachement militaire du groupement des forces antiterroristes